C'est très bizarre. Même pour 1 million d'euros, je ne peux pas. Si, quand même. Nous ne sommes pas des petits chats. Ça, c'est très mauvais repas. C'est très mauvais repas. Hein. Salut tout le monde. Ça y est, elle est là. On est très contents. Notre deuxième BD est disponible dans toutes les librairies. Et sur Internet. Évidemment. Bonne vidéo à tous. Hello et Bubble Fan. Hello Athéna, coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. Laissez un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les filles? Le grand blanc. Le titre de la vidéo, vous l'avez vu, c'est les boutons mystères qui décident ce que vous allez manger pendant 24 heures. Voilà, oui, c'était un long titre de vidéo. Oui. C'est la première fois qu'on le fait. Et ce challenge, vous avez été nombreux à nous le demander. Il existe depuis plusieurs mois déjà aux États-Unis. Amélie Nakis, qu'on adore, l'a fait il y a quelques jours. Voilà, on les salue, on les embrasse. Eh bien, c'est à vous, les filles, vous allez voir, c'est pas si simple. Puisque il y a 5 repas, ça c'est ce qu'il y a après le dîner, parce que c'est les vacances, donc on va pouvoir se faire plaisir en regardant Netflix ou autre. Mais pour chaque repas, pour chaque colonne, donc, il y a 3 boutons. Il y a un bouton chance, où ça sera un bon repas. Ouais. Il y a un bouton mauvais repas. Mais attention, il y a un troisième bouton qui est le bouton très mauvais repas. Autant vous dire que ça va être compliqué. Si jamais vous réussissez à relever le défi de manger, par exemple, le mauvais repas, eh bien, vous gagnez... Tadam, 20 euros. C'est cool. Et si jamais vous relevez le défi de manger le très mauvais repas, l'assiette entière, vous gagnez 50 euros. Pour le snack, est-ce que le bouton, il choisit aussi le film? Non. Un bon film, un mauvais film, un très mauvais film. Allez, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. On va faire un chiffonnier pour savoir laquelle. D'abord, on va appuyer sur... un des 3 boutons de la première colonne du dîner. Shifumi. Et c'est Athéna, attention. Réfléchis bien. Un bon repas, un mauvais repas ou un très mauvais repas. Le vert, le bleu ou le rose, c'est dans le désordre évidemment. Attention. Mauvais repas. Si c'est toi Athéna, c'est une omelette aux olives. Si c'est toi Calice, c'est une omelette au fromage. Et donc comme c'est toi Athéna, eh ben, je vais te faire une omelette aux olives. Pour le mauvais repas, parce que tu n'aimes pas du tout les olives. C'est ça, c'est très mauvais repas, d'accord? Non, ça c'est mauvais. C'est le mauvais, ça? Ah oui, mais attention, ça, parce que peut-être qu'elle va tomber sur le très mauvais, Calice. Ça, t'as une chance sur 2. Le vert ou le rose? Bon repas. Pizza. Une pizza! Bonne pizza! Il y avait quoi dans le très mauvais repas? Très mauvais repas. Un sandwich à la sardine et au Nutella. Oh! Ah, vous avez échappé au pire, hein? C'est dans les Sisters! Allez, tu prépares ça? Okay. Donc, une omelette aux olives. Pizza. Allez, c'est parti. Et voilà, pendant que la pizza est au four, eh bien, je prépare l'omelette aux olives. C'est des bonnes petites olives. Allez, encore un peu. Voilà, une omelette aux olives. Même moi, je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie. Athéna, voici ton omelette. Il y a 17 olives. Très à l'intérieur, il faut toutes les manger et l'omelette aussi, évidemment. Et toi, Calice, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais t'aimes pas le fromage. J'ai dû enlever tout le fromage de la pizza parce que c'est un bon repas, donc forcément j'enlève. Allez, bon appétit, Athéna, on va voir si tu termines. Ah là, c'est bon, les olives. Non. Faut les manger, hein. Je sais, je vais faire une mini omelette. On nous fait un kebab aux olives. C'est qu'elle a l'air bonne en plus, son omelette. Sauf plutôt, c'est chaud. Alors, ça passe. Alors, je précise que là, c'est le dîner, c'est le premier repas, mais ça va être crescendo. Ah. J'espère que vous tomberez sur un très mauvais au prochain. Quoi? Pourquoi tu veux nous faire souffrir? Oui, c'est ça, pourquoi? Mais non, je vais vous faire gagner de l'argent. Ah, mais fallait. C'est une démarche économique. Et voilà, Calice, la bonne pizza. C'est un bon repas, tu es bien tombé. Mais peut-être que tu auras moins de chance au prochain bouton. Athéna, allez, on va te retrouver dans quelques minutes pour savoir si t'as tout mangé. Ou pas. Allez, mange, hein. T'aimes ça, en fait. Alors, la technique d'Athéna, c'est de manger toutes tes olives en premier. Et toi, Calice, ça va? Alors, je peux avoir mes 20 euros. Tu attends que tu le termines quand même. Et voilà. Tout ça. Bravo, Athéna. C'est pour toi. Je ne touche pas, j'ai les mains toutes grasses. 20 à 0 pour l'instant. Ah, voici nos fameux boutons. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Le snack. Donc là, vous êtes en train
de regarder, en tout cas vous allez regarder Ratatouille. Eh bien vous allez pouvoir faire un chifoumi pour savoir laquelle d'entre vous va appuyer sur le bouton la première. Et moi je vais préparer ça pendant que vous commencez à regarder ce magnifique Disney. Oui. Attention. Chifoumi. Chifoumi. C'est encore Athéna, c'est magnifique. Ah mais non, avant c'était... Avec le petit plaid. C'est toi tout à l'heure aussi. Ah oui. Attention, le rose, le vert ou le orange cette fois. Mauvais snack, ce sont des champignons avec du sucre glace et du poivre. Ce sont... Ça a l'air bon. C'est une petite assiette de champignons frais avec du sucre glace et du poivre dessus. c'est très bizarre, c'est sucré, salé, poivré. Sucré, salé, c'est pas très mauvais, c'est mauvais. Non, c'est mais attention, il reste le très mauvais. Et le bon. Cali, ça va encore tomber sur le bon avec le pot qu'elle a, elle. Le rose ou l'orange? Je sais pas moi, j'en sais rien. Je sais même plus en fait. Ah d'accord. Bon snack, je te propose du popcorn sucré. Oh bah dis donc, mais c'est pas possible, elle a trop de chance. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'il y avait dans l'orange? Très mauvais snack, c'est du mochi au durian. Ah oui, alors. Ça aurait été chaud là. Ah oui. Ah là, ça aurait été très chaud, même moi j'aurais pas pu. Hein. Même pour 1 million d'euros, je ne peux pas. Si, quand même. Ouais, quand même. Bon, allez, je vous prépare ça et je vous lance Ratatouille. Mais comment il s'appelle? Le non. Rat de Ratatouille? Rémi. Oui, il s'appelle pas Ratatouille, bien vu. Dorénavant. Bon, bah ça y est, j'y suis. Les petits champignons frais que je vais couper en petits morceaux. Je vais mettre le sucre glace par-dessus et le poivre. Le sucre glace, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, c'est bon, hein. Pas les unis sur les moyens, bien que ce soit piquant. Allez, c'est parti, 3 minutes. Alors je fais pause. Calice. Quoi? Petit popcorn. Sucré. Miam miam. Attention, c'est peut-être un peu chaud. Et Athéna. Athéna, tu n'es pas en reste parce que toi tu vas avoir tes petits champignons frais parsemés de sucre glace. Et du poivre également. Wow. Voilà, avec le petit cure-dent. Je te demande juste de manger tous les champignons. Allez, goûte-moi ça, ça va être bizarre. Hein. C'est sucré, salé, poivré. Ça va pas être très mauvais, mais mauvais, oui. C'est bon. C'est comment? Voilà. Petite grimace quand même. Ça pique. Ouais, bah oui, j'ai mis la dose. Hein. Parce qu'il n'aurait pas fallu que le sucre glace cache trop le poivre quand même. Parce que tu crois qu'il va tout manger. T'es pas obligé, hein? Il y a 20 euros supplémentaires en jeu. Mais non, que lui, ça mange pas comme ça. Bon, allez, je vous remets Ratatouille. Oui. Ok, c'est parti. Miam, miam. Ça va, ça passe. La technique, c'est de mettre plein de sucre glace. Comme ça. En plus, on enlève un peu de poivre. Plein de sucre glace. C'est bien là, Kelly. Oui. Attention. Oh là, c'est le dernier. Je fais pause. Tadam, tadam, on va manger le dernier champignon. Mais comment ça va? C'est pas très bon, mais t'as tout mangé. Bravo. Tu as gagné 20 euros supplémentaires. Ah oui, Berk. Bon allez, on se retrouve demain pour la suite de ce challenge. Ces boutons mystérieux qui vous disent quoi manger pendant 24 heures. On se retrouve pour le petit déj. Et là, on va voir le lendemain. Ou pas. Le lendemain. Le lendemain. Ah, bien dormi les filles? Oui. Est-ce que vous avez faim? Oui. Bien digéré de votre dîner et votre snack hier soir? Oui. Votre chose à voir, Calice. Tranquille. T'as bien mangé. Alors, Athéna, est-ce que t'es prête pour un chifoumi? Chifoumi. Alors, c'est encore Athéna qui va commencer, mais c'est dingue. Attention, le vert, l'orange ou le rose pour le petit-déj. Il y a un bon petit-déj, un mauvais petit-déj et un très mauvais petit-déj. Attention. Très mauvais petit-déj. Oh. Croissant, trempé dans la sauce soja, salé ou de la sauce nem. Oh. Ah, c'est un croissant trempé à chaque fois, comme un nem, dans de la sauce soja salée ou de la sauce nem. Tu préfères quoi comme sauce? Je crois qu'elle est difficile, hein, c'est tellement bon. La sauce nem, allez. Ok, t'aimes ça? Ouais. Attention, Calice, tu as le choix entre le vert et le rose, c'est ça? Quand tu veux. Mauvais petit déj. Ah. Tartine de rillettes avec un chocolat chaud.
une tartine de rillettes avec du chocolat chaud. Un petit peu comme les ch'tis, ils trempent une tartine de fromage dans du café au lait. Voilà, donc là c'est une tartine de rillettes dans du chocolat chaud. Ça te va? Ouais. Ça va être super bon. Ah, je suis content. Attention, il y a 50 euros à gagner, Athéna, et 20 euros pour Calice. Allez, je vais préparer ça. Ah oui, vas-y, essaye, attention. Bon petit déj, céréales avec du lait. Voilà, c'est un bon petit déj de céréales avec du lait. Oh, comme c'est beau ça! Alors, pour Athéna. Blou, 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 blou. Bon appétit, Athéna. Ah, ça c'est pour Calice. Ouais. Alors, pour toi, Calice, une petite tartine de rillettes d'oie. Voilà. Ah, bien sûr, il faut manger toute la tartine. Je pense qu'il y en a pas mal là. Avec ton chocolat. C'est parti. Je suis obligée de tromper. Oui, tu es obligée de tromper. Comme Athéna, bah c'est mauvais, du très mauvais. Hein. Si on fait une deuxième vidéo, laissez un petit pouce en l'air si vous voulez un deuxième épisode après, plus tard, eh bien je ferai encore plus fort et plus mauvais, puisque non, c'est trop merci. Facile. C'est trop... Bon, toi ça va, c'est que du facile depuis hier. C'est pas faux. Alors c'est bon ou pas? Oui. Enfin, non. Et on fait un coucou à tous les ch'tis, hein, parce qu'ils mangent des tartines de... Ah, j'ai oublié le nom du fromage. Dans le café au lait. Elle mange une grosse bouchée, histoire de... C'est trop facile ça. T'as raison, ouais, laisse remonter, laisse infuser. Attends, on va vous laisser déguster ça tranquillement pendant que moi je vais me faire un bon petit déj. Mais vous faire des pancakes aux myrtilles ou au sirop d'érable. Non. Allez, bon appétit. Ouais, mais il faut tremper. Alors vous êtes pas obligé, hein, bien sûr, hein, sur les challenges, vous n'êtes pas obligé de le manger ni de les terminer. Mais vous passez à côté de la récompense. Athéna m'a demandé s'il fallait terminer la sauce nem. C'est tombé sur le très mauvais pour 50 euros. C'est pas rien. Donc oui, il faut terminer la sauce nem. Calice, elle mange le chocolat comme elle mange le popcorn. Et t'as des mains, t'as des bras, t'as des membres supérieurs. On est une espèce évoluée. Nous ne sommes pas des petits chats. Miaou. Oh non! Oh. Oh. 50 de plus, ce qui porte ton compteur à 90. Calice porte enfin son compteur à 20 euros. C'est pas terminé, on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Exact. Berk. Bah. On va avoir un verre d'eau? Oui, bien non. sûr. Ça va, Calice? En plein dessin sur ta tablette. On va passer au déjeuner. Je vais chercher ta soeur. Oui, tout mignon. Alors, tu fais quoi, Athéna? De la tablette. Tu regardes des vidéos? Bien beau. On va passer au déjeuner. Ah, ok. Allez, à table, fille. Je pense que ça va se corser. Bon, on n'attend plus que Calice. Et Calice est arrivé. Vous connaissez comment ça marche maintenant. On a la colonne déjeuner. Il y a un bouton bon déjeuner et un bouton mauvais déjeuner et un bouton très mauvais déjeuner. Là, vous avez fait un chifoumi comme tout à l'heure pour savoir qui aura le privilège d'appuyer la première sur un bouton. Chifoumi. Ah, pour une fois, c'est Calice. Ah, ça fait plaisir. Là, va peut-être tomber sur un très mauvais. Parce que comme ça, tu vas pouvoir rattraper ta sœur et peut-être gagner ce challenge. Attention. Très mauvais repas. Gésier au lait de coco et crème de marron avec des petits oignons plus un verre de jus d'oignon. Bon, bah c'est bon ça, des gésiers. Tu aimes les gésiers déjà? Non. Le lait de coco, t'aimes bien? Oui. Ça va faire passer le goût. Avec de la crème de marron, très sucré salé, avec des petits oignons et puis un petit verre de jus dans lequel baignent les oignons. Mais tu peux gagner 50 euros et peut-être frapper ta soeur. Mais pour ça, il faudrait qu'Athéna tombe sur le bon repas. Attention, reste 2. Mauvais repas, plat préparé avec de la sauce pimentée à pizza, plus tabasco, plus harissa. Mais c'est horrible! Ah bah oui, c'est un mauvais repas! Mais c'est très mauvais repas, c'est très mauvais repas! Ah non, moi je préfère ça, j'adore quand c'est épicé. Mais oui, mais moi j'ai pas, ça va m'arracher la tête! Ouais, mais les gésiers au lait de coco, et la crème de marron et au jus d'oignon, ça aura pas été terrible non plus. Attends, c'est quoi? Bon repas, plat préparé au choix, plus soda au choix. Oh. Ah oui, mais fallait tomber dessus. Allez, c'est parti, je vais préparer ça. Et voici pour Athéna ton plat préparé. Ce sont des petites pâtes sauce champignons, ça c'est bon. Du tabasco. Non, mais là, on juste sur la peau.
sur la sauce, voilà. Avec, alors j'ai plus de harissa, mais ça c'est de la sauce piment, regardez, qu'on met avec les bouchées vapeur dans les restaurants asiatiques. Ça, ça pique bien ça. Ah, c'est trop bon ça. Et l'huile pimentée. Alors là, je mets tout. À la limite, j'aurais préféré des gésiers, tu vois. Ça, ça va arracher. Et après, on mélange tout. Oh, ça sent bon! Et pour Calice, des petits gésiers de volaille. C'est bon ça, Calice. Elle n'est pas du tout aspirée. Avec des petits oignons. Non, vas-y, commence, vas-y, vas-y. Attention, hein, ça pique. C'est hot. Alors? Ça picote? Ça pique un petit peu? Ça pique beaucoup. Ça pique beaucoup? Pas sûr que t'as mis, on va voir. Après, le lait de coco. Du lait de coco et de la crème de marron. Voilà, je vais rajouter tout ça. Je vais pousser la caméra quand même. Alors, remarque judicieuse, Calice, effectivement, c'est écrit pour 3-4 personnes sur la boîte. Donc, je vais diviser en 4 parts égales. Je rajoute le lait de coco. Et j'ai vu que c'était une vraie recette. Je sais plus où, en Martinique ou je sais plus. Ouais, je mets tout, hein, parce que le lait de coco, c'est bon. Et voilà, les petites crottes là, ce sont en fait de la crème de marron que j'ai rajouté. Ah ben, je dresse ça, je mélange tout ça, je te mets ça dans une assiette. Et je vais te verser un petit verre de jus. Bon, je vais enlever les oignons. Allez, hop. On doit boire tout le verre, hein, on est d'accord. Exactement. Et question, quand elle aura terminé le verre, elle pourra prendre de l'eau. Oui, l'eau c'est à gogo, à volonté, à gaga. Et voilà, Calice. Il est pas fin. Ça sent trop bon, ça sent le coco. Ça c'est bon. Ah, par contre, le gésier, elle n'aime pas du tout ça. Ah, il n'y a pas de dégoût sur son visage, déjà, c'est bien. Mais en fait, elle va se régaler, je suis sûr. D'autant qu'il y a aussi le verre, les petits oignons. Alors, 5 minutes plus tard, ça n'avance pas trop du côté d'Athéna. Mais par contre, du côté de Calice, ça va. Là, elle se concentre sur le jus d'oignon. Ça pique. C'est du vinaigre, en fait. Elle va tout boire. Ça, en fait, c'est ça le plus mauvais dans le très mauvais. Bravo, t'as une boîte de lait de coco, ça va passer tout seul. Et toi, c'est encore quelques gésiers, 3 petits oignons. Et toi, Athéna, t'avances plus, là. Mais te force pas, c'est pas bon. Mais j'ai goûté, c'est vrai que ça arrache la tête. Tête brûlée. Ah. Tombeau qui t'arrache le... Tu vas m'en. Alors, quelques minutes plus tard. Ah bah t'as mangé ta dernière bouchée, j'ai pas le temps de filmer, c'est grave. Bon bah bravo, Calice. Incroyable, elle a mangé son très mauvais repas. Eh bien, bravo, tu passes à 70 euros. Et toujours 90 euros. Pour la boulette. Athéna, là du coup tu peux gagner ce challenge, Calice, rien n'est perdu. Alors Athéna, ça va? T'as fait quoi avant ce goûter? Des vidéos. Ah, et Calice? Allez, où Calice? Elle arrive. Ah, bah c'est Calice. Alors, tu faisais quoi, toi? Je dessinais. Ah bon, bah voilà, comme tout à l'heure. J'avais envie d'un petit goûter, il est exactement 16h45. Un petit indice, je suis sympa. Pour faire travailler votre mémoire. La répartition entre le bon, le mauvais et le très mauvais dans cette colonne de goûter, c'est une répartition qui n'a pas encore été faite. D'accord. On dirait un mastermind. Attends. C'est tout ce que je vais vous dire. Voilà. Répartition inédite. Donc, un Shifumi d'abord pour savoir qui va appuyer la première sur le bouton. Shifumi. Ah, c'est Calice. Ah, bah, c'est bien. Ah, attention, Calice. On va réfléchir. Ouais, est-ce que tu as envie de tomber sur le bon, je suppose? Oui. Ou un mauvais et très mauvais pour prendre la tête. Le bleu? Le vert? Très mauvais goûter. Croquette pour chat au sirop d'érable. Oh là, ça c'est chaud. Tu te sens capable? Ça dépend combien il y en a. Alors attention, là on a Athéna, le bleu. Bon goûter, biscuit feuille d'érable avec un verre de lait. J'en étais sûre parce que je me souviens que ces deux-là, c'était bon, 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 bon. Alors Athéna, tu me disais que c'est la première fois que tu tombais sur un bon repas. Tu termines en beauté et toi, Calice, t'as été crescendo. T'as eu deux bons repas au début et après... Un mauvais repas et après deux, trois mauvais repas. Et là, tu vas terminer avec les croquettes pour chat au sirop d'érable, c'est le pire. Par contre, moi, j'ai fait mauvais, mauvais, très mauvais, très mauvais, bon. Et on peut essayer quel est mauvais qu'on n'a pas écouté encore? Mauvais goûter.
tartine de Vegemite avec un verre de lait de soja. C'était pire. Pire que ça? Oui. Trois fois pire. C'est pour les êtres humains, hein. Alors que ça, c'est plutôt pour les chats. Mais c'est comestible quand même pour les êtres humains. Il est temps de verser les petites croquettes pour te montrer que c'est comestible. J'en mange. J'en ai déjà mangé, j'ai jamais mangé. C'est même plutôt bon, on sent le saumon. On sent un petit goût de noisette aussi, tu vois, de betterave. Ça sent la terre, ça me rappelle ma jeunesse. Oh, ça y est, je retourne mon enfance. Mais c'est magique en fait. Mais c'est un plat gastronomique, Calice. Et bien sûr, je vais mettre un petit peu de sirop d'érable, sinon ça serait trop facile. Avec le sirop d'érable, en fait, tu vas même pas sentir le goût. Les feuilles d'érable. Si t'aimes pas, tu peux pas manger, tu manges pas. C'est pas très grave. Les feuilles d'érable du marché. Calice, elle regarde ses croquettes. Tu entres en méditation avec elle. Mais t'as même pas goûté? Si. Moi, j'ai pas filmé. Elle a gobé. Genre, elle a pris le truc, elle a avalé d'un coup, tu vois qu'ils sont bien. C'est bon, voilà. Hein? Non. T'abandonnes? Pas de 50 euros? T'imagines tous les mangas que t'aurais pu acheter? Et toi, Athéna, ton bon goûter? Ça, c'est super bon, regardez. Regardez, c'est ça. Non. Eh, de toute façon, elle a perdu. Voilà, j'ai perdu. Il faut être sûr déjà que t'abandonnes. J'abandonne. Tu te régales, Athéna? Bon, en tout cas, tu ne pourras pas marquer de points puisque tu as gagné le goûter qui est trop bon. Donc, tu restes à 90 euros. Félicitations, Athéna. Et en plus, tu gagnes ce challenge. Mais toi, Calice, tu ne pars pas sans rien. Tu as gagné 70 euros avec tes mauvais repas. Est-ce que ça vous a plu, les filles? Oui. Si on en refait un, je vous préviens, ça sera beaucoup plus dur et plus extrême. Non. La prochaine fois, ça sera beaucoup plus compliqué parce que mon banquier n'est pas d'accord. Ah. J'espère que vous avez aimé cette vidéo également. Si vous voulez, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez la petite cloche, allez voir nos précédentes vidéos, passez de bonnes vacances. Oui. Joyeux Noël par avance, c'est bientôt. Allez, plein de gros bisous, profitez bien. Oh. Bon, allez, à très vite sur Studio Bubble Tea et surtout, n'oubliez pas, soyez vous, soyez bien, soyez bon, et vivez vos rêves.